Merci à Philippe, merci à tous deux d'animer, merci de votre invitation. C'est la deuxième fois que vous m'invitez. Parce qu'au-delà de la puissance de ces plateformes, la question qui se pose, c'est est-ce que l'on accepte oui ou non des monopoles? Et la réponse pour moi est très claire, c'est non. Merci beaucoup. Je vais faire cette présentation en anglais. Now let's talk about exportation. Who sells cereals? La stratégie internationale est quelque chose qu'on a commencé, nous, à travailler depuis maintenant à peu près 4 à 5 ans. Une société de distribution doit avoir un catalogue de plus en plus important, vu la demande dont vous avez parlé, de plus en plus grande, et la possibilité de distribuer à l'international. Which is very beneficial for the international co-production business. We run our EMEA sales out of London, and we also have a sales office now in Singapore. Briefly, I represent Atres Media Studios. Atres Media is a leading media group in Spain, and as you were mentioning, we work very closely with the network with Antena 3, who launched Casa de Papel. La bascule entre diversification et publicité s'est opérée dès 2016, et aujourd'hui, donc, la diversification creuse l'écart avec la publicité. Disney is such an interesting example. It's one of the oldest, most established traditional media businesses there are, and so hugely successful. And yet, what it's doing now is probably one of the most disruptive things that will happen to our industry, I think. And our business model really just levers on something which is there, and that makes the business model so great. And it supports a big universe that needs the support. Je peux partager avec vous l'expérience qu'on a chez M6. On fait du Media for Equity, on reçoit régulièrement des dossiers et on les étudie avec intérêt. Et on a investi sur les dernières années dans un certain nombre de startups. Donc Comcast a décidé d'investir dans sa propre plateforme technologique, évidemment pour son propre bien, mais aussi pour le bien du reste de l'industrie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, la redevance est chère. Elle coûte environ 300 euros par année. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de payer une redevance? Et donc, ils se sont dit, nous allons proposer, ni plus ni moins, la suppression totale et définitive de la redevance. Eh bien, la société civile, elle s'est dressée. Elle s'est dressée pour dire, ça suffit. On n'est pas d'accord avec cette vision de la société qui ne fonctionne que sur des bases consuméristes et individuelles. Et nous nous engageons contre ça. Finalement, nous avons repoussé cette initiative à plus de 71%, ce qui est un score vraiment totalement inattendu, inespéré, fantastique, parce que ça a évidemment relégitimé complètement le service public. Pour faire un peu le point sur la manière dont le cinéma français voyait son avenir dans le contexte de la révolution numérique, et notamment les perspectives que ça lui ouvre, ou ouvrirait à l'international. Après, je trouve que dans l'étude, il y a effectivement à la fois des certitudes et des questions. C'est l'intérêt de cette étude, c'est que justement, il faut pratiquer une sorte de mise à plat de tous ces enjeux pour essayer de réfléchir à comment améliorer le cadre qui permette de multiplier les modes d'expérimentation de ce cinéma. Elle l'imaginait en salle partout dans le monde avec des queues et des jeunes japonaises qui allaient voir le film, et on lui a expliqué non, que ça serait sur Netflix. From the Commission side, we hope that this can be concluded soon as the negotiations have already started a while ago. Mais c'est qu'il semblerait que dans le nouveau budget de la Commission européenne, le programme Média soit non seulement préservé, mais en plus assez significativement augmenté. On a, je pense, avec la SMA, un bilan finalement assez mitigé. Il y a des trucs très bien et puis il y a des choses un peu moins bien. Donc au final, c'est... C'est formidable, mais on n'est pas encore au bout. Il y a encore des sujets importants, en particulier celui de la territorialité des droits, qui est réellement vital. Je pense que c'est le moment, non, dans cette redistribution des pouvoirs dans le monde, de dire, bon, on peut faire les choses à l'européenne. Et il ne faut pas être timide. Voilà un petit extrait, je ne peux pas tout vous montrer, mais il y a une qualité narrative et de suspense qui est plus qu'au niveau. En Chine, il ne peut pas y avoir une plateforme OTT sans licence du gouvernement. Et c'est quasiment le mobile only en Chine pour cette population, les fameux 60% des 700 millions d'internautes. Ou sur le programme, là c'est un programme de télé, je vous ai mis « Bonjour la France », j'écris en dessous, et vous allez voir, ça passe au milieu.
Donc, en termes d'interface, on va dire, et de proposition de contenu, c'est quand même assez différent. Il s'est passé une révolution totale dans les modes de consommation avec le lancement des plateformes. Un chiffre, si on regarde tous les abonnements confondus à des services payants, en 2017, 80% de la croissance, c'est la SVOD. Les opérateurs télécoms et nous en premier ont choisi d'être dans une logique de partenariat avec Netflix, qui fait qu'aujourd'hui, un client Orange, il peut s'abonner à OCS, il peut s'abonner à Canal+, il peut s'abonner à Netflix, et je dois dire que nous sommes le principal vendeur des trois. En fait, la dernière révolution digitale dans la télévision, elle a eu lieu en réalité il y a une dizaine d'années, au moment où on a lancé la télévision de rattrapage. Et puis depuis 10 ans, dans le domaine de la télévision, il ne s'est à peu près rien passé pour des raisons qui est qu'effectivement, la capacité des éditeurs et diffuseurs à bouger leur offre, c'est de bouger tout l'ensemble de l'écosystème et des ayants droit, et c'est complexe.